Nathalie Gélade, gestionnaire ressources humaines au sein de la société Lidl. Lidl est un équipementier automobile. On fait des écrans thermiques et acoustiques pour les véhicules. Session matchée avec l'entreprise. Donc on reçoit des personnes en retrait avec le monde professionnel et on échange avec eux pour comprendre ce qu'un employeur attend lors d'un entretien. Alors du coup Cap Emploi nous a accompagnés pour une période de mise en situation professionnelle. Premier jour de stage très compliqué, on ne s'attendait pas à ce qu'il y ait autant de contraintes dues au handicap. Cap Emploi nous a aidés déjà parce qu'ils ont fait la convention avec nous. Ils nous ont proposé de nous mettre en relation avec les ergonomes, de vérifier avec nous sur le poste qui ce qui pouvait être fait ou pas fait. Et après, c'était vraiment un support au quotidien pour Jamal qui n'était pas à l'aise puisque ça faisait longtemps qu'il n'était pas en poste. Ils l'ont vraiment accompagné à prendre confiance en lui et aujourd'hui, il continue cet accompagnement avec nous. Alors après les 2 semaines de stage, Jamal était tellement motivé qu'on ne se voyait pas en rester là. On l'a intégré en intérim. En parallèle, donc avec Dylan, notre ingénieur méthode, on a regardé ce qu'on pouvait faire pour que Jamal puisse travailler sur plusieurs références. On l'a donc intégré en CDD. Et voyant à la fin du CDD qu'il était toujours aussi motivé et que nous, on avait encore plein de possibilités pour lui, on a fini par lui proposer un CDI. Je m'appelle Dylan Anchou, je suis ingénieur méthode chez Lidl. Donc l'idée, c'était de mettre en œuvre toutes les solutions possibles pour intégrer Jamal. Donc dans un premier temps, nous avons fait le tour des moyens d'assemblage qui étaient déjà existants chez nous, différents moyens de production, et identifié ceux qui étaient les plus à même d'être adaptés pour Jamal, que ce soit adapté à ses positions de travail, donc au niveau taille et niveau ergonomie pour ses mains. Donc dans un premier temps, c'était l'identification des différents postes qui ont été réaménagés. Donc on a rajouté des bras articulés sur les côtés pour pouvoir avoir les pièces à disposition sans qu'il ait à se pencher en avant. Et dans un second temps, tous les nouveaux postes ont été équipés pour un réglage en hauteur adapté à sa taille. Quand on a des personnes qui sont plus petites que la normale, elles vont avoir plus de facilité et moins de difficultés à travailler sur le moyen parce qu'elles ont vraiment une hauteur idéale qu'ils peuvent choisir et pour s'adapter. Aujourd'hui, on est vraiment investi dans le travail pour tous. Et c'est pas toujours simple, mais avec de la motivation, avec le support de Cap Emploi, tout est possible et je conseille vraiment à tous nos confrères d'y aller parce qu'aujourd'hui on n'a aucun regret, bien au contraire.